Alors, merci beaucoup d'avoir répondu à l'appel pour la dernière conférence de l'année, parce qu'on est rendu, on suit les années 2015-2016. Alors, même si on est en 2016 avec l'Assemblée générale, il y a toujours une petite causerie, puis j'ai proposé de faire une petite causerie sur la maison Fraser McKenzie et en profiter pour lancer un petit brochure comme ça sur la maison et sur ses habitants. Alors, c'est ce que je vais vous présenter succinctement ce soir, et vous aurez le plaisir, j'espère, de lire la suite dans le petit livret. On ne peut pas appeler ça une brochure parce que ce n'est pas broché. Puis c'est pas tellement un gros livre, c'est un petit livre. Fait qu'un petit livret, quoi qu'on réserve livret pour les opéras ou les... Bref, tout ça pour dire que ça me fait plaisir de vous présenter cette relance de la collection patrimoine de la Société d'histoire. On avait débuté ça il y a, dans les premières années en bénéficiant des travaux qui avaient été faits par des firmes privées comme Laszlo Demeter et d'autres qui avaient étudié l'île des Moulins, qui ont étudié la maison Belle-Île, qui ont étudié la maison Roussil, qui avaient étudié la maison Joseph Auger, et ça avait donné une abondante documentation qui nous permettait de faire assez bien. Mais on avait tellement peu de moyens que ça s'est résumé à des plaquettes de 6, 8, 10, 12 pages. Et en noir et blanc, avec les moyens de l'époque. Alors aujourd'hui, avec la technologie, on peut sortir des beaux bouquins couleurs intéressants. Sauf que pour la maison Mackenzie Fraser, ou Fraser Mackenzie, je les nomme dans l'ordre chronologique parce que les deux ont contribué à la construction. Pour cette maison-là, il y avait très peu de documentation. Il n'y a pas eu d'études qui ont été faites. C'est une maison qui n'a jamais été classée. Il n'y a pas eu d'études de firmes spécialisées. Et c'est à partir de la documentation des notaires et de la documentation qui est dans le fonds maçon aux Archives nationales que j'ai pu, au cours des années, accumuler ici et là, au hasard des découvertes, différents contrats, différents actes notariés, et ça m'a pris un bon 4 ans à rassembler tout ça et à mettre ça en forme. Et l'écriture, ça n'a pas été tellement long, mais c'était la recherche préalable qui a été longue. Ceci étant dit, je vous présente tout de suite la maison Fraser McKenzie. Pour ceux qui ne savent pas, je n'ai pas mis l'adresse dans le livre pour éviter qu'on aille sonner trop souvent à la porte. Au moins, on ne pourra pas m'accuser de l'avoir fait. Mais quand on sait où elle est, il n'y a pas de problème, elle est juste ici en face, de l'autre côté de la rue. Tu peux sonner, mais ils ne pourront pas dire que c'est moi qui vous ai envoyé. Avec le livre dans la main, ça va être plus facile pour vous. Seigneur. Bon, soit tant que la technologie ne me lâche pas. Je le savais qu'elle me lâcherait. Alors, vers 1810, il y a un maître de poste qui s'appelait George Harriet qui est venu à Terrebonne régler un problème de conflit postal entre trois marchands qui avaient décidé d'établir un service postal entre Terrebonne et Montréal. Et c'était tout à fait illégal. Les trois marchands ont été poursuivis. Et M. Harriet est venu à Terrebonne en l'automne 1810. Il a été enchanté par le village. Il en a fait une toile. Ça, c'est juste un détail de la toile. Il en a fait une aquarelle, devrais-je dire, 8,5 par 11, pas plus grand que ça, où il a représenté assez clairement le village de Terrebonne. Il a écrit une lettre à un collègue du Nouveau-Brunswick où il décrit le village comme étant un des plus beaux de l'Amérique du Nord par ses constructions, par son établissement. Et il fait l'éloge de l'emplacement du talus qui divise le village en deux et sur lequel il y a de magnifiques constructions. Alors, je vous résume ce qui est là. Vous avez tout ça dans le bouquin.
Un autre qui a suivi 5 ans plus tard, en 1815, Joseph Bouchette, topographe et géographe, arpenteur, qui a écrit le premier dictionnaire topographique du Canada et qui a aussi fait une description du village de Terrebonne en mentionnant ses 50 maisons, en mentionnant surtout la maison de Roderick Mackenzie qui venait d'être construite. Et George Herriot, dans sa toile ou dans son aquarelle, a mis bien en évidence la maison de Mackenzie. Il en a même fait, pour ceux qui connaissent un peu la peinture, le point focal de la toile. Tout est organisé en fonction de que le premier coup d'œil qu'on y jette, c'est la maison qu'on voit. Alors, qui sont ceux qui ont construit la maison? D'abord, le docteur Simon Fraser. Je tiens à mentionner que cette toile, ce portrait qui a été réalisé dans les années 1830 est la première fois publié. Il est au musée de Charlevoix. Et ça m'a fait, on m'a accordé l'autorisation de publier et d'utiliser la toile. Alors, c'est le docteur dans toute sa prestance dans les années 1830. Alors, Simon Fraser était le fils du lieutenant Malcolm Fraser des forces des Highlanders qui a combattu sur les plaines d'Abraham. Il faisait partie du régiment, le 68e régiment des Highlanders. Il a été blessé sur les plaines d'Abraham, blessé à la bataille de Sainte-Foy. Là, je parle de l'adversaire. Et entre 1760-61, il était à la tête des troupes d'occupation dans le village de Beaumont. Et c'est là sûrement, qu'il a rencontré celle qui deviendra la mère de Simon Fraser, Madame Louise Allaire. Mademoiselle, elle se fait appeler Mademoiselle. Elle a eu 5 enfants dans une relation hors mariage avec le lieutenant Fraser. Or, de l'union libre, sont nés 5 enfants et Simon Fraser, le 4e. Malcolm Fraser a aussi encore 3 autres enfants d'une autre liaison avec une Marguerite Ducrot de Montmorency, qui est aujourd'hui la Malbaie. Et Simon Fraser a été baptisé le 10 janvier 1768 à Saint-Étienne-de-Beaumont. Donc, même s'il était d'origine écossaise, comme il est né ici, on peut le considérer comme canadien originaire d'Écosse, et il a été baptisé à Saint-Étienne-de-Beaumont. On a son certificat de baptême ou l'acte de baptême dans les registres paroissiaux. Et on remarque, quand on fait la lecture, que son nom n'est pas mentionné autrement que dans la marge. Alors, si le curé n'avait pas mentionné le nom de Simon Fraser dans la marge avec un Z, on n'aurait pas le nom de l'enfant dans l'acte de baptême. Quand on lit la transcription en bas, là, a été baptisé l'enfant du sieur Malcolm Fraser et de Marie Allaire. Le parrain a été Gilles Turgeon, la marraine Josette Fauché, lesquels ont déclaré ne savoir signer de ce en qui. Il y a eu une répétition dans l'acte. Alors, de ce en qui, ça veut dire qu'on leur a demandé de signer et ils n'ont pas signé. Et le curé prêtre était le Groix. Alors, c'est l'authentification. Il y avait beaucoup de contestations par son fils de l'année de naissance de son père, et aujourd'hui, on est capable d'authentifier le moment de la naissance. On ne sait rien de ce qui s'est passé dans son enfance. Il a vécu à Beaumont, à Rivière-du-Loup, à la Malbaie. On sait qu'il a vécu à Québec la période de 1775, le moment du siège de Québec par les troupes américaines lors de l'invasion. Et Malcolm Fraser a été un des héros de ce siège. C'est un de ceux qui a donné l'alerte et qui a le mieux combattu au saut au matelot, la barricade du saut au matelot qui a été protégée. Alors, c'est à cette époque-là, Simon Fraser avait 7 ans. Malcolm était... non, c'est pas vrai. J'étais en train de confondre avec Mackenzie. Alors, le petit village de Saint-Michel-de-Bellechasse, où probablement il a vécu une partie de son enfance. Après la guerre d'indépendance, en 1784, le gouverneur Carleton va réduire les effectifs du 84e régiment des Highlanders Immigrants et il va céder ou donner des terres de la couronne
aux principaux officiers qui vont être mis à la demi-retraite ou à la demi-solde. On constituait avec ça des officiers de réserve. Alors, si jamais on avait besoin de remembrer ou de réorganiser des régiments, ces officiers-là reprenaient du service. Ils n'étaient pas complètement retraités. Ces terres vont être concédées dans la région de Chatham, comté de Chatham, d'Argenteuil, où nous sommes allés au mois de juin dernier. Et les terres étaient le long de la rivière Outaouais. Le père Malcolm Fraser a reçu 3 000 acres sur billet et 2 000 acres auraient été concédés aussi à Simon Fraser. Mais en 1784, Fraser ne pouvait pas être officier de l'armée, il n'avait que 16 ans. Il a peut-être accompagné les troupes, mais il n'a certainement pas fait de service. C'est en 1787 qu'il va prendre possession de ces 2 000 acres de terre qui sont situés le long de la rivière des Outaouais. Alors, en 1788, quand on peut lire le document, on parle des terres cédées à Malcolm Fraser et à son fils. Son fils étant Simon. Alors, ces terres représentaient cette zone particulière. Il va obtenir sa licence de médecin en 1792, autorisé à pratiquer la médecine une année avant de s'installer à Terrebonne. On n'a aucune idée d'où il a pu étudier la médecine. Est-ce que c'est dans l'armée britannique ou est-ce que c'est dans une école de médecine comme il en a commencé à en exister? On ne pourrait pas le dire, la documentation n'est pas disponible là-dessus. Il va s'installer à Terrebonne 1792-1793. C'est à se demander s'il n'aurait pas été déployé en même temps que son père pendant l'occupation du village de Terrebonne dans les années 1777-1783. L'armée britannique et les auxiliaires allemands avaient été déployés dans la vallée du Saint-Laurent pendant la guerre d'indépendance. Et il y a des troupes britanniques qui ont été cantonnées ici à Terrebonne, dont le 84e. Et probablement que Malcolm Fraser était des troupes d'occupation à un certain moment donné. Et comme les familles des officiers suivaient habituellement ces mêmes officiers, il se peut que Simon ait accompagné son père, et après la démobilisation, il a probablement choisi de venir s'installer ici, connaissant le village et l'intérêt qu'il pouvait y avoir. Surtout qu'à l'époque, les seigneurs sont anglais, ce sont les seigneurs Jordan qui dirigent ou administrent la seigneurie. En 1793, il va éprouver des difficultés avec le curé Beaumont. Il y a des querelles importantes qui vont s'en suivre, et Marie-France se souvient qu'on a consulter tous ces documents-là à l'archevêché de Saint-Jérôme et ce fameux conflit qui a inspiré le curé Neu qui a été présenté il y a un an dans le cadre de notre brunch bénéfice. Alors, c'est à cette époque donc que Fraser a des démêlés. Démêlés qui sont provoqués, à son dire, par le curé lui-même parce que le curé avait de bonnes relations avec le médecin, mais en coulisses, demandait ou incitait les paroissiens à ne pas se faire soigner par un protestant. Alors, c'est la querelle de religion. Alors, ce n'était pas la compétence du médecin qui était mise en cause, mais davantage son appartenance religieuse. Et quand on sait que Fraser a été baptisé catholique, le curé Beaumont n'avait pas vraiment de bonnes raisons de le traiter de protestant. Alors, donc, des amis vont le décourager d'intenter une action en justice. Et Monseigneur Hubert, va demander au Seigneur Jordan d'apaiser la situation et de servir de médiateur entre le curé et le docteur Fraser. Cette médiation va échouer. Jordan va plutôt inciter Fraser à faire des excuses publiques au curé, auquel il semblait donner raison. Ce qui fait que Fraser n'a pas donné suite. Et je ne sais pas s'il y a un lien avec son départ vers l'armée et la querelle, mais toujours est-il qu'en 1793, il va quitter Terrebonne, plutôt 1794. Il va vendre la seigneurie de Blainville qu'il venait d'acheter. Il va la vendre à Jordan. Et en 1795, il va vendre ses 200 acres de terre dans Chatham. Et il va traverser en Angleterre pour s'enrôler dans le premier bataillon du 42e Highland Regiment pour aller combattre les troupes de
la France, les troupes napoléoniennes. Alors, le régiment, donc, était engagé dans ces combats. Alors, Fraser traverse en Angleterre. Sa première mission, c'était à Sainte-Lucie-Saint-Vincent, avec le 2e bataillon. Il va être transféré à Gibraltar, combattre à Minorque, combattre à Gênes, combattre à Cadix, va traverser en Égypte et sera blessé à la bataille de Mandora, où il va être décoré et gradé lieutenant. Immédiatement après cette campagne, il va être rapatrié en Angleterre et revenir au Canada. Donc, il est mis à la retraite à demi-solde en 1802, revient ici en 1803, s'occupe des terres de son père de 1803 à 1807. En 1803, à son retour, son père lui a cédé les 3000 acres du canton de Chatham. Et il va s'occuper donc d'obtenir les lettres patentes et il y aura de nombreuses tractations avec le gouverneur de Québec pour finir par obtenir ses lettres patentes, donc ce qui rendait les titres de propriété valides et par la suite va vendre des lots des terres pour finir par s'en débarrasser et les vendre au capitaine Robertson. Alors, les terres qui ont été vendues en 1795, c'est ce lot-ci. Et en 1803, c'est cette portion-ci. Évidemment, là, j'ai fait des grands rectangles, mais il y a des portions qui n'appartiennent pas à Fraser. Là, cette portion-ci n'appartient pas à Fraser, de même que ces deux sections-là. Alors, c'est tout ça qui va être vendu et qui va expliquer un peu la fortune et l'indépendance de fortune du Dr Fraser dans sa pratique médicale. Alors, c'est en octobre 1807 que Fraser va acheter l'emplacement du marchand Joseph Chaumont, l'emplacement qui est ici, l'autre bord de la rue. Cet emplacement-là a été vendu à l'encan par le shérif sur un jugement de saisie des biens de Pierre Racine qui avait acheté cet emplacement-là. Alors, c'est vendu le 20 avril 1807 et la valeur de la poursuite était de 206 livres, ce qui n'était pas beaucoup quand on considère l'argent de l'époque. Et sur le terrain, il y a une maison en pierre et un magasin de 60 pieds sur 38, avec deux ailes qui sont construites vers 1765. Alors, c'est une maison qui a environ 27-30 ans. Et cette maison-là, Fraser va entreprendre, alors pour la situer, c'est ici. Alors, c'est à ce moment-là que, dès le lendemain, il y avait son défaite. Dès le lendemain, il signe un contrat avec un maçon de Terrebonne pour le rétablissement de la maison Chaumont. Alors, le devis est assez précis. On veut hausser les murs, on veut retaper la bâtisse pour la rendre habitable et lui donner une allure qui ressemble au manoir seigneurial qui est voisin. Alors, ça veut dire que Fraser a eu de bonnes relations avec les Mackenzie, qui habitait le manoir juste à côté, juste en face, ici dans le parc. Et il va s'inspirer beaucoup de la décoration intérieure du manoir pour donner des précisions, des directives pour le rétablissement ou la restauration, si on veut, de la maison de Chaumont. Alors, je ne sais pas si l'hiver a été dur, mais entre le mois de décembre et le mois d'octobre, c'est-à-dire entre octobre et décembre, Fraser va changer encore d'idée. Il va re-signer un nouveau devis, un nouveau contrat avec le sans qu'on n'ait rien fait à la maison encore. Et c'est en février 1808 qu'il va abandonner l'idée de rétablir la maison, il va la démolir et vouloir reconstruire une maison tout à fait différente. Alors, la nouvelle maison va être plus petite, 48 par 36 par 21. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre le mois de février et le mois de mai pour que non seulement Fraser change d'idée, mais accepte quelques mois plus tard de céder la maison à Roderick Mackenzie et à devenir une espèce d'entrepreneur en construction. C'est-à-dire que Fraser va rester responsable de la construction de la maison, mais c'est Mackenzie qui en est propriétaire. Alors, la maison va être cédée, va être refaite et on va construire à 3 étages, 58 pieds sur 40, 28 pieds de hauteur dans la partie la plus basse du terrain. Donc, on profite de la déclinaison du talus pour avoir une partie plus haute en arrière qu'en avant. Alors, après toutes ces tergiversations, des arbitres évaluateurs,
des ajustements qu'on a apportés, des dissidences ou des dissensions sur le coût des ajouts au contrat. Ça n'a pas changé, c'est toujours pareil. Quand on est constructeur et entrepreneur, on a des besoins, des désirs différents. L'entrepreneur charge trop cher, puis on finit par ne pas s'entendre ou s'entendre. Ce qui fait que Fraser va céder à McKenzie pour la somme de 325 livres de l'époque, la maison qui est en face. Qui était Roderick McKenzie? Je vous parlerai de la maison à la fin. Alors, Roderick McKenzie vient, c'est aussi un Écossais. Il vient des Highlands, de la région d'Inverness. Et il fait partie du grand clan des McKenzie. Si vous suivez la nouvelle série à Radio-Canada le samedi, on parle beaucoup des McKenzie et des McTavish. Alors, c'est le même clan. Il va arriver dans la province de Québec, Province of Québec, en 1784. Il a 23 ans. Il va être recruté par son cousin, Alexander McKenzie, le grand explorateur de l'Ouest. M. Ferland, au début de la saison, au mois de septembre, nous a démontré que si Alexander McKenzie avait réussi ce qu'il a réussi, c'était grâce aux voyageurs métis et canadiens français. Alors donc, c'est ce Alexander McKenzie qui va recruter son cousin pour venir travailler dans l'Ouest, dans la compagnie du Nord-Ouest. D'abord, il va travailler comme commis à la Gregory MacLeod Company, qui va se fusionner avec la Northwest, la compagnie du Nord-Ouest, en 1786. Et Roderick McKenzie va obtenir le mandat de construire au fort, au nord du lac Athabasca, le fort Chipewyan, qui va être un grand centre important de départ pour Alexander McKenzie dans son exploration de l'Ouest. McKenzie va épouser une Amérindienne prénommée Catherine à la manière du pays. La manière du pays, on peut imaginer ce que c'est, parce qu'il n'y a pas de description plus particulière. On devait probablement se déclarer mari et femme, et c'était fini, reconnu par l'ensemble de la tribu. Il aura trois enfants de Catherine, Mary ou Matuski, dont on a le portrait ici, Louise et John. John est plus connu. C'est le seul qui va, il naît en 1794, et c'est le seul qui va accompagner son père ici dans Terrebonne. Les deux filles vont épouser des agents de la compagnie, mais vont rester dans l'Ouest. Tandis que John va faire sa vie ici, va prendre l'épouse ici et avoir ses enfants, donc fonder famille. À l'époque où Roderick McKenzie arrive à Terrebonne en 1801-1802, il a 40 ans et son fils a 7 ans. Pourquoi est-il venu s'installer à Terrebonne? C'est une hypothèse que je formule. À l'époque, Simon McTavish est en négociation, en grande discussion avec le fils de Jacob Jordan pour l'achat de la seigneurie de Terrebonne. Et déjà, les agents de McTavish ont commencé à explorer et à louer des établissements dans le village. Et ça se discute probablement à l'intérieur de la compagnie qu'on veut diversifier les activités. Comme il y a déclin dans la fourrure, on veut aller plutôt vers la propriété foncière. C'est une période où le commerce du blé est encore florissant et on est dans des guerres napoléoniennes. Alors, on a besoin de ravitailler l'Angleterre. Alors, c'est un bon moment pour McTavish et la Compagnie du Nord-Ouest d'acheter la seigneurie de Terrebonne, compte tenu de l'importance de ses moulins. Alors, donc, en 1802, McTavish achète la seigneurie et dès que la transaction est conclue, donc il y a des agents, trois agents principaux, Nicolas Bayard, Henry McKenzie, le frère de Roderick, et j'oublie le nom de l'autre là, qui va me revenir, là, vont donc entreprendre la construction de la boulangerie sur l'île des Moulins en 1803, vont louer Francis Badley, vont louer le magasin de Chaumont. Là, on est juste avant la construction de la maison. Puis ensuite, vont décider d'acheter un magasin entrepôt qui était situé exactement où nous sommes aujourd'hui. Alors, il y a Pierre Auger, qui était un maçon de réputation à Terrebonne, avait entrepris la construction d'une maison. Et cette maison-là, McTavish va l'acheter pour la transformer en magasin entrepôt.
avec toutes les installations nécessaires, agrandissement, creusement de la cave, installation de voûte, etc. Donc, pour en faire un magasin-entrepôt d'importance. Et c'est ce qui va être démoli pour la construction du manoir ici en 1847. Donc, ils vont passer le marché. On n'a pas de photos ou d'illustrations de ce magasin, mais Jacob Oldham, qui faisait partie de la compagnie Mackenzie Oldham, c'est pas moi ça. Donc, Jacob Oldham va construire une maison en 1805. C'est la maison qui est connue sous le nom du docteur Lacroix et qui est située juste en face de l'église, en retrait. Alors, elle a été construite exprès pour avoir une façade plus... deux étages à l'arrière et un seul étage à l'avant. Et quand on regarde la maison de l'arrière, ça nous donne une idée à peu près exacte de ce que pouvait être le magasin ou ce qu'on appelait le grand magasin de la compagnie qui a été construit une année avant. Alors, ça donne donc une idée. On peut s'imaginer ce que ça pouvait avoir l'air ici sur la rue avec toutes ces constructions de maisons de pierre. Donc, Roderick Mackenzie va prendre de l'importance. Simon McTavish meurt en 1804 et c'est le frère de Roderick Mackenzie qui devient l'agent de la succession et qui administre la seigneurie de Terrebonne en fondant avec son frère et l'avocat Jacob Oldham la compagnie Mackenzie Oldham et compagnie. Ces gens-là vont administrer jusqu'en 1816, exploiter et administrer les moulins. En 1807, les moulins vont brûler. On va reconstruire au complet, exploiter la boulangerie. Donc, c'est la période on pourrait dire l'apogée là, du commerce du blé. Et à partir de 1816-1820, le déclin va commencer pour les moulins de Terrebonne. Pendant cette période de 1802-1812, Roderick Mackenzie va prendre une demi-retraite. Il va passer l'été dans l'Ouest et il va passer ses hivers à Montréal ou à Terrebonne. Alors, il vivait probablement jusqu'en 1809, va probablement vivre dans le manoir seigneurial avec son frère. Et en 1809, quand il va prendre possession de la maison, va s'y établir jusqu'à sa mort en 1844. Alors, qui a-t-il été pendant cette période-là? C'était quand même un personnage très important dans l'histoire de Terrebonne pour la période jusqu'à 1844. Il va devenir lieutenant-colonel de milice en 1812. C'est le début de la guerre 1812-1814 entre l'Angleterre et les États-Unis. Il va lever un bataillon de miliciens pour défendre Montréal d'une invasion potentielle des Américains, mais l'invasion n'aura pas lieu. Ça va être arrêté par Salaberry et les voltigeurs sur la rivière Châteauguay, de sorte que Montréal est protégé. Et Mackenzie va donc revenir à Terrebonne, et en 1814, à la fin de la guerre, va acheter la seigneurie. En 1816, il ne renouvellera pas le bail de la société Mackenzie Oldham, qui était locataire de la seigneurie. Il va décider d'exploiter la seigneurie en faire-valoir direct. Autrement dit, il l'administre lui-même et n'a pas à partager les bénéfices ou les résultats financiers de l'exploitation des moulins. C'est aussi dans cette période des années 1820 qui, devant l'immigration d'Écossais, des Lowlands, non plus des Highlands, mais des parties plus basses de l'Écosse, il y a une immigration assez importante qui se fait au Canada. Et autant dans la région de Chatham que dans la région de Terrebonne, on va installer sur des terres nouvelles des immigrants écossais. C'est à cette période que toute la région de New Glasgow, Sainte-Sophie, va être développé par Mackenzie, qui va établir environ 70 familles sur les terres de la région et qui va amener de grands débats, de grandes discussions entre les patriotes et les seigneurs écossais pour abus de... On vendait les terres beaucoup plus chères aux Canadiens qu'on les vendait aux Écossais, ce qui fait que dans les années 1830, un peu avant la rébellion, les frères Mackenzie vont décider de concéder des terres dans un peu plus à meilleur marché, selon la tradition du régime seigneurial, essayer de tempérer le mécontentement qui grandissait de plus en plus. Et je vous rappelle que mon collègue Richard Lagrange a écrit un magnifique livre sur les patriotes du comté de Terrebonne, et vous pourrez avoir tout ça bien expliqué, bien détaillé.
Donc, en 1824, la succession McTavish obtient l'annulation de la vente. Mackenzie n'a pas pu profiter longtemps des avantages de la seigneurie. C'est Marguerite Chaboyer, qui était la sœur de Rachel, et la belle-sœur de Roderick, qui était la succession de McTavish. Elle avait épousé McTavish, alors les sœurs Chaboyer avaient épousé McTavish et Mackenzie. Alors, c'est des règlements de compte à l'intérieur de la famille, ça a dû brasser beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, Roderick va rétrocéder la seigneurie. Son frère Henry va redevenir l'administrateur de la succession. Il va mourir du choléra en 1832, au même moment où Joseph Basson achète la seigneurie. C'est avec son neveu John que Henry partageait l'administration de Terrebonne. De 1817 à 1838, Roderick Mackenzie va cumuler les fonctions de juge de paix, de conseiller législatif. C'est à ce titre de juge de paix qu'il va être mêlé de près aux événements de 1838 qui vont bouleverser Terrebonne. Il a à l'époque 77 ans. Il mène des interrogatoires assez serrés dans ce qu'on a appelé les examens volontaires avec ceux qui, de près ou de loin, auraient participé au soulèvement dans Terrebonne. Et ces témoignages vont servir au procès en cour martiale de 1839, avec les résultats qu'on le connaît, 6 condamnations à mort, 4 qui vont être libérés sous caution, sous réserve de bonne conduite, et 2 qui vont être exilés en Australie. Alors, Mackenzie va meurt à Terrebonne en 1844, il a 83 ans. Il va laisser quand même une fortune importante et la maison à sa veuve, Louise Rachel Chaboyer, et à leurs enfants. J'ai souligné leurs enfants parce que c'est les enfants de ce mariage qui vont hériter avec Rachel, tandis que les enfants métis feront l'objet de legs particuliers. Et Mackenzie, au moment de rédiger ses dernières volontés, va sembler se rappeler qu'il avait des enfants de métis et des petits-enfants. Il va leur faire des legs particuliers comme quelques jours avant sa mort. Alors, ces legs particuliers vont être mêlés au testament qu'il avait, testament holographe, qu'il conservait dans un coffre-fort. Et en 1844, on va dévoiler ce testament et on va faire homologuer par le notaire Séguin. Et John va pouvoir hériter d'une petite partie de la fortune de son père. Alors, ce n'est pas John Mackenzie qui va hériter de la maison comme tel, mais beaucoup plus son fils, Alexander, qui demeurait un peu plus loin à l'ouest sur la rue et qui va s'installer en 1857 dans la maison. J'ai vu tout ça dans Brochot. La maison comme telle. Alors, la première représentation de la maison Fraser Mackenzie qu'on a, c'est celle de la toile de George Harriet, qui va être peinte à Terrebonne en 1810. Harriet, comme je l'ai expliqué, était l'adjoint du maître de poste qui était en Angleterre, donc il était le maître de poste de l'ensemble de l'Amérique du Nord britannique. C'est lui qui va poursuivre les trois marchands pour leur délit de poste illégal. Et dans son séjour à Terrebonne, la poursuite était quand même importante. Quand on se souvient de la valeur de la maison, 325 livres, la poursuite en dommages était de 605 livres. Pour avoir installé un système postal illégal. Alors, c'est probablement dans cette période que Harriet a visité la maison qui était toute neuve, qui venait d'être terminée. Alors, si ça, c'est l'ensemble de la toile, de l'aquarelle, et mettez-vous dans l'esprit là, que c'est 8,5 par 11, pas plus. Alors, c'est tout ça qui est représenté. Et quand on regarde, je radote là-dessus, mais quand on regarde le village, qui est dans cette portion de l'ensemble, ça veut dire que c'est à peu près grand comme ça sur la petite aquarelle. Et quand je disais qu'on avait mis en évidence point focal sur la maison de Mackenzie, c'est assez évident. Sur un agrandissement, on remarque des détails de l'arrière de la maison qui vont se confirmer. Et ce qui est intéressant, c'est l'espèce de grand, c'est pas un beau window, mais c'est quand même une arche importante qui est à l'arrière de la maison et qui va servir au rez-de-chaussée d'extension de la salle de bal.
Alors, c'est les détails qu'on a, les quatre cheminées, le toit qui est à pavillon. Alors, quatre facettes avec une arête de toit bien allongée. Et quand on verra les photos, les premières photos de la maison dans les années 1925, quand même 120 ans plus tard, on va remarquer que la maison est sensiblement la même apparence. Mais à l'époque, on disait que la pierre était découverte, donc pas de crépi, et que le toit était recouvert de bardeaux. Quand on regarde les photos actuelles, pour arriver à parler de la précision de l'aquarelle, fort probablement que Harriet a utilisé ce qu'on appelait une caméra lucida, c'est-à-dire une espèce de lentille qui permettait de grossir à distance les objets. Alors, il a pu transposer sur sa feuille ce qu'il voyait du village et faire une espèce de calque de l'image qui était projetée. Alors, donc, on n'a pas de description autre que la toile d'Harriet. C'est en 1812 que le cartographe David Thompson, qui est installé à Terrebonne pour quelques années et qui vivait dans la maison de l'Orme Book, qu'il avait acheté sur le gros édifice sur le boulevard des Braves. Et c'est lui qui va faire une première description écrite de la maison de Mackenzie. Alors, il présente la maison de Mackenzie de la façon suivante. Roderick Mackenzie lived in a grand house, the biggest by far in Terrebonne, the two-story flat roofed, donc à toit plat, deux étages, was elegantly designed and had a stately entrance. Alors pour lui, l'entrée principale, c'était une entrée digne d'un chef d'État ou d'un édifice de l'État. Une espèce de podium saillant qui avait six marches au-dessus de la rue, qui avait quatre colonnes qui supportaient un balcon au second étage, qui était tout à fait approprié pour la résidence d'un homme de cette proéminence ou de cette importance. C'est la courte description que fait David Thompson. Et quand on regarde la première photo de la maison qui date de 1925, au moment où Cecil Burrows en était la propriétaire et l'occupante, on remarque que la description est assez exacte. Alors, il n'y a pas eu beaucoup de changements sur la façade. On revoit le fameux balcon, les six marches de chaque côté, l'entrée principale, les quatre colonnes, un fronton pour le balcon à rambarde de pierre, un grand fronton à l'avant, mais on n'a pas le chiffre indiqué, les lucarnes, et on remarque que le toit est un toit de tôle. Et quand Thompson parle d'un toit aplati, on voit que la pente est quand même relativement légère par rapport aux constructions habituelles. Et les souches de cheminée, on voit un petit peu la portion de celle d'arrière, mais celle qui est en avant. Alors, c'est l'aspect que, et on remarque qu'il y a eu du crépi, donc enduit de crépi, et on a changé la toiture et on a protégé la pierre. En 1999, la maison a cette allure, le fronton du balcon est disparu. Il faut dire qu'entre ces deux années, il y a eu deux grands incendies de la portion supérieure de la maison. On a refait la toiture deux fois. Et aujourd'hui, on remarque que la toiture est beaucoup plus aiguisée et on a réussi à construire un appartement ou un condo à l'étage supérieur. Aujourd'hui, c'est partagé en quatre condos. Alors ça, c'est à l'époque de Mme Jacqueline Baudry, qui avait acheté la maison et qui en a restauré une partie. Moi, je ne vois pas bien. Quand je parlais de l'arrière de la maison, toujours faut la gracieuseté des photos du photographe Jacques Bourdon. Alors, la partie arrière qui était représentée sur la toile de Harriet, on la marque ici là, dans toute son importance, ça occupe quand même un espace très important de la construction et selon certains, pour les maçons de l'époque, avec les techniques de construction qu'on avait, ça a dû être tout un défi de réaliser ce type d'arche longitudinale. L'intérieur. Alors, l'intérieur de la maison, c'est l'entrée principale de l'intérieur. Les boiseries seraient d'origine. Alors, probablement que les ferrures ont été changées, mais les boiseries seraient d'origine. Et on remarque probablement que c'était une espèce de walk-in
ou porte-manteau pour l'époque. Or, la décoration du hall d'entrée, décoration d'une des chambres, et un des points de conflit entre Fraser et son maçon parent, c'était la construction des âtres pour les cheminées. Alors, il y avait 4 cheminées, mais il n'avait pas ouvert tous les foyers pour le chauffage, et il n'avait pas non plus percé les cheminées parce qu'on pouvait aussi chauffer au poêle. Alors, il y avait prévu des ouvertures dans les cheminées qui n'avaient pas été faites. Ça a fait l'objet d'un conflit, d'une discussion importante entre l'entrepreneur Fraser et le maçon parent. Ce lustre est censé être d'origine, avec les appliques de plâtre sur la toiture. Il y a beaucoup de descriptions dans les contrats sur le fini. Quand on dit fini pour peindre, ça veut dire qu'on faisait un fini en plâtre du plâtre sur latte. Alors, ceci, ça aurait été un chandelier, et c'est dans la grande salle de bal. Alors, on a ici la portion qui est en arrière, dans la portion incurvée de la construction, salle de bal avec de grandes fenêtres. Et ici, c'est l'autre partie de la salle de bal vers l'avant, et ceci va vers l'entrée principale. Les photos sortent mieux dans la brochure. On reconstitue donc l'histoire de la maison. Ses propriétaires m'ont donné l'occasion de découvrir et d'explorer des pans de l'histoire de la ville de Terrebonne. On n'est pas encore équipé pour écrire la grande histoire de la ville de Terrebonne. On est de plus en plus équipé pour écrire de petites histoires de la ville de Terrebonne, et les bâtiments qui sont importants dans cette ville sont pour moi l'occasion de parler de la maison sûre, mais aussi de parler de ses habitants et de voir la trame historique du développement du bourg de Terrebonne. Alors, l'occasion était belle pour en étudiant la maison Fraser McKenzie. Dans le fond, la maison Fraser McKenzie arrive comme à mi-chemin dans l'histoire de l'emplacement. Dans le livre, je parle aussi des propriétaires antérieurs à cette construction-là, et ça permet d'avoir une trame intéressante de l'histoire. Alors, ça a permis donc de faire une incursion aussi dans la vie de la bourgeoisie locale. Alors, si on considère les nombreux déplacements des McKenzie et des maçons, qui étaient toujours en voyage d'affaires pour le plaisir, on en vient à considérer que cette magnifique demeure de la Grande Rue Saint-Louis comme un luxueux pied-à-terre, une escale entre deux voyages. Parce que quand on regarde les nombreux déplacements de McKenzie, quand on regarde les nombreux déplacements de Louis-Rodrigue Masson à Ottawa, en Europe, aux États-Unis, à Québec, quand il était lieutenant-gouverneur, c'était des longues périodes où il n'occupait pas la maison. Et comme sa femme le suivait souvent, c'était un peu plus les enfants et les bonnes qui habitaient la maison que le chef et la chefesse de famille. Alors, jusque dans les années 1950, la maison a été, pour moi, en tout cas, un luxueux pied-à-terre, davantage qu'une résidence permanente pour les familles. Alors, il y a 3 personnes que je désire remercier pour le travail que j'ai réussi à réaliser. C'est Jean-René Thiot, historien à l'Université du Québec à Rimouski, qui m'a fourni les premières indications des contrats de construction de la maison. Et ça m'a permis d'aller plus loin. Il y en avait trouvé 2, j'ai trouvé les 2 autres. Ça a bien été. Je remercie aussi Robert Simard, qui est historien-conteur du Musée régional d'Argenteuil, qu'on a rencontré l'été dernier lors de notre séjour. C'est lui qui m'a fourni toute la documentation concernant la présence des Fraser dans le canton de Chatham. Et finalement, Jacques Bourdon, photographe au Journal de Montréal, qui a gracieusement prêter ses photos de l'intérieur de la maison et de l'extérieur pour la brochure. Vous avez des questions? La photo n'est pas innocente. Mon collègue Normand Brière, quand on était aux Archives nationales, j'étais en train de lire un document de Simon Fraser où il fait toutes sortes de commentaires sur le maçon qui construit sa maison et les difficultés. Alors, c'est un document quand même de 4 pages. 8,5 par 14, très bien écrit en anglais, mais avec une belle calligraphie. J'étais en train de lire ça, puis un petit coquin s'amusait à prendre des photos. Fait que je trouvais que ça cadrait bien pour la mettre sur la brochure. Ça faisait complet. Merci, mon ami. Oui, bien, il est en train de lire, le monsieur. Des questions?
Avant qu'on aille à la pause, oui. Les maçons, c'est à partir du mariage de Louis-Rodrigue Masson à la fille d'Alexander Mackenzie. Fait que ça date des années... je ne me souviens plus, là. Excusez-moi, il y a de la musique. C'est Louis-Rodrigue Masson qui va être le premier à vivre dans la maison. Il s'est marié en quelle année? 1863, 64, dans ce coin-là. Et c'est les premiers maçons qui vont vivre là. Jusqu'à cette époque-là, c'est Rachel Chaboyer qui va vivre jusqu'en 1857, jusqu'à sa mort. C'est Alexander Mackenzie qui va prendre la maison. Et sa fille, lorsque sa fille épousera Louis-Rodrigue Masson, par mariage, Louis-Rodrigue va devenir... propriétaire de la maison. Il va l'habiter jusqu'en 1903. En fait, en 1903, il ne l'habite pas. Il ne l'habite plus parce qu'il est décédé sur la rue Prince-Arthur à Montréal en 1903. Il a été inhumé ici à Terrebonne, mais il est décédé à Montréal. Il avait une maison à Montréal. Ça répond? Oui. On parle que il avait été concédé de 2 000 ans de terre. Oui. 5 000 en tout à la famille. Je n'ai pas la correspondance. Non, mais c'est des terres plutôt carrées que rectangulaires. Et c'était quand même de dimension. Là, je vais vous donner les mesures en arpent. On se comprend bien avec ça. Là, c'était des terres qui avaient 85, 100, 150 arpents. C'était quand même intéressant. Mais il y avait beaucoup de spéculation. C'était pas nécessairement tous. Quoique les Écossais qui se sont installés là ont quand même fait de l'agriculture de manière intéressante, là, mais, avec toutes leurs petites clôtures. Aujourd'hui, c'est des grandes terres. Il y a eu beaucoup de remembrements, de regroupements. Puis on a du développement domiciliaire aussi. Il ne faut pas oublier de construire des condos. Est-ce qu'on a une idée de la valeur des livres de l'époque? Puis, 625 livres. Oui. Pourquoi, mettons, par oui. Le livre en fait, qui valait 5 $ US, c'était pas trop. Un souverain qui. Parce que c'est un test en $ US, c'était pareil. OK. De l'époque, de 5 $ US de l'époque. Livre à l'adresse de cette époque. Ça a changé tellement. Ah, ça, là. Il faut vraiment voir le coût de la vie. C'est seulement par le coût de la vie. Il faut connaître, il faut comparer avec les salaires des ouvriers, le panier de provisions par rapport à aujourd'hui. C'est là qu'on peut avoir une idée. Je sais qu'à chaque année, dans l'almanach, à partir des années 1800, on publiait le cours de toutes les monnaies. Et ça occupait une page. Et toutes les pièces de monnaie, la livre, ce n'est pas une livre, c'est comptable. Alors, il n'y avait pas nécessairement de livres qui circulaient, mais il y avait des guinées, il y avait des shillings, exactement. Puis c'était en cuivre, ou c'était en argent, ou c'était en or. Alors, chacun avait sa valeur. Il s'était établi selon le cours de Halifax. Alors, la valeur de la circulation, la monnaie qui circulait, cette valeur-là était déterminée par le cours des monnaies à Halifax. Et c'est pas avant les années 1850-60, si je me trompe pas, quand on a commencé à utiliser le dollar et la monnaie décimale, qu'on va avoir vraiment, avec la Confédération surtout, hein, qu'on va avoir une monnaie unique et du numéraire canadien. Parce qu'à l'époque, on utilisait encore les piastres espagnoles, puis on utilisait de la monnaie britannique, puis de la monnaie française, puis il y avait toutes sortes de pièces de monnaie. Et c'était au poids. Alors, c'était le poids de chaque pièce qui déterminait sa valeur. Et on fallait la contrefaçon, il fallait l'éviter. Alors, c'est pour ça qu'on a commencé à faire des pièces de monnaie déjà cochées, parce que
les faussaires, ceux qui faisaient le trafic de l'or ou du cuivre, enlevaient rognaient les pièces de monnaie pour les refondre et faire d'autres pièces. Alors, ça diminuait le poids. D'autres questions? Mais je ne suis pas numismate, là. Je ne parle pas à travers mon chapeau, mais presque. Vous entendez les questions en arrière? OK, je répète. Ça, c'est une monographie, oui. Monographie? Un sujet. Ça doit être Je ne sais pas, c'est dans mon ordinateur. C'est tout numérique. Je ne pourrais pas te dire l'importance en termes de centimètres de papier, mais tu vas avoir une idée de l'importance en regardant les dernières pages du. Oui, la fameuse. C'est ça. C'est ça. Pas de quoi? Je ne peux pas te le dire. Je n'ai pas connu ça. Je l'ai connu numérisé. D'autres questions? Bien, merci beaucoup. Oui? Moi, j'ai. Ça n'a pas rapport à 100%. Pas grave. Quand vous avez parlé de la dissension, ce qui a causé la révolte des Pays-Bas, tout ça, moi, j'ai lu un livre qui est écrit par. Je crois que c'est un évêque, bon, je pense que c'est peut-être un évêque de TC, qui a été écrit il y a peut-être 5 ans. Là-dedans, il dit que Robert Shore. C'était approprié 3000 entre le temps. 2000, son acolyte, là, son type qui travaillait avec lui, c'était approprié 3000. Et ça, ils ont mis ça au nom de supposés Anglais qui ne sont jamais venus ici. Et pourquoi que les francophones lisaient, il y avait mis ça au nom des Anglais. Alors, ce qui a causé beaucoup de révoltes, ce qui a fait en sorte aussi que les francophones ont commencé à aller aux États-Unis pour pouvoir faire la vie, parce qu'il n'y avait pas de carte. C'était seulement l'agriculture à ce moment-là qui faisait les touches. On n'entend pas bien. Madame parlait du détournement de fonds terriens par Robert Shore Mines. Dans Mines, j'ai de la misère à le prononcer, dans les années 1810, au moins, il était gouverneur, c'est après Craig, je pense, là. Qui aurait détourné des terres comme ça, puis ça aurait provoqué la. Mais je ne sais pas où exactement. Beaucoup de. Mais ça s'inscrit. Ouais. Aussi dans les cantons de l'Est. Ouais. Alors, c'était l'équivalent comme de 200 fermes qui avaient mis au nom. Les prêtres, non, qui ne sont jamais venus. Ça se peut-tu, ça? Alors, les francophones ne pouvaient pas les avoir, ils étaient déjà comme réservés. Alors là, ça. Ça se peut. Moi, je savais pas, je suis restée estomaquée quand je suis. Ah, madame, vous avez bien lu encore. Jamais qu'on nous a reparlé dans l'histoire. Jamais, jamais, on n'avait jamais entendu. Mais là, on en parle. Vous lirez le livre de Richard si vous ne l'avez pas lu. Il va en parler beaucoup de ce qui se passe dans la terre. Oui, cut. Oui, 8h30. C'est l'heure de la pause. Et à 8h45, on va reprendre pour l'Assemblée générale annuelle. Merci de votre attention. Bonne lecture. Il y en a d'autres à venir. Il y a un livre d'or à signer en arrière. Alors, vous êtes invités. À côté des biscuits mous, des biscuits durs, il y a un petit livre d'or.